plutôt bonsoir, nous sommes à Arras, Arras by night, pour découvrir un petit peu la vie nocturne de notre magnifique ville, de ses terrasses, de ses restaurants. Alors quoi de mieux pour tester un petit peu l'ambiance arrageoise avec un nouveau bar qui s'appelle le Baromètre avec William. Bonjour William. Bonjour à vous. Plutôt bonsoir. Ouais, plutôt bonsoir. Ouais. Alors, un nouveau bar. Un nouveau bar, ouais, nouvelle expérience. C'est ma deuxième affaire sur l'arrageois. Très bonne clientèle sur la cité arrageoise. Donc je reste sur mes origines. Bon, ça se passe très bien. Enfin. Alors, je pense qu'on se connaît un petit peu. Vous étiez avant dans le métier et vous avez traversé la place. Oui, tout à fait. J'ai démarré en serveur à l'Océan Vert à l'époque. Je travaillais pour Jean Monturi. Je suis parti, je suis resté 7 ans à travailler pour lui. Je suis parti pour m'installer à mon compte, pour ouvrir le petit bar La Feria pour une première expérience. Et me voulait arriver ici, donc. Alors, c'est quoi le nouveau concept du Baromètre, William ? Alors là, je suis parti sur. Maintenant, je suis parti sur un nouveau concept. Bon, au niveau ambiance et le phénomène des nouvelles bières spéciales qui sont arrivées. Je travaille avec la brasserie Palm, donc je suis le seul à avoir ces bières sur la cité arrageoise. Et j'ai une gamme de bières bouteilles assez élevée, quoi. Alors, on vient au Baromètre, hein, pour manger. Pour c'est plus convivial, apéritif, planche apéro, et passer la soirée tranquillement. En clair, on vient ici pour l'ambiance, pour faire la fête, plutôt un bar nocturne alors. Plutôt un bar nocturne, oui, tout à fait. En parlant d'ambiance nocturne, nous allons nous rafraîchir avec un petit peu d'exotisme pour une recette un petit peu spéciale. On est un petit peu décalé cette semaine pour une recette thaïlandaise. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Je m'appelle Tass. Bonjour, je m'appelle Sophia. Et aujourd'hui, on a fait Pad Thai. Oui, c'est normalement, les Thaïs mangent le riz comme le plat principal. Mais les Thaïlandais, ils mangent aussi les nuits. Et ce plat est très réputé dans le monde aussi. Et aujourd'hui, on va voir... Comment on fait? Oui. Et alors? D'abord, on met de l'huile dans la poêle. Et il faut réchauffer de l'huile pendant à peu près quelques minutes. C'est bien chaud. Oui. Et une fois que de l'huile est chaud, on va mettre les crevettes. Ça, ce sont les crevettes. Vous pouvez aussi mettre les petites crevettes normales. Ça dépend de votre goût. Dans les grands restaurants, ils vont prendre les crevettes comme ça. Mais dans les si on cuisine ce plat à la maison, vous pouvez utiliser les petites crevettes normales aussi. La raison pour laquelle les grands restaurants peuvent faire les crevettes, parce que c'est oui, ça,
c'est très joli et qu'on met dans un plat, ça fait beau et c'est très appétissant. Mais pour les petites crevettes, on fait pas mal de doigts. Pour les petites crevettes, vous devrez mettre à peu près 8 crevettes. Mais pour les gros crevettes comme ça, 4, ça suffit. 4 crevettes, c'est pour 2 personnes. Et une fois que les crevettes sont bien cuites, on va les laisser reposer un peu. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire en dessous? Sauce. Maintenant, on va préparer la sauce pour les pad thai. แล้วเราสามารถหาซอสนี้ได้ที่ไหนบ้างที่ร้านเอเชียvous pouvez trouver ce genre de sauce à l'épicerie asiatique dans le nord il y a les épiceries asiatiques à Roubaix ou même à Lille et puis on vient d'acheter de l'ail. Il faut écraser de l'ail d'abord et après les échalots. Et de ça, on va faire des fonds. Ok. Maintenant, on peut sentir l'odeur de la cuisine thaï. Voilà, et après on mélange tout ensemble. Prenez votre temps. เราไม่อยากให้ไข่มันสุกจนเกินไม่ให้มันรวมกัน c'est mieux de séparer c'est mieux de séparer la sauce et les sauces ถ้าไม่ให้มันรวมกันถ้ามันรวมกันปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้คือไม่สุก parce que si on mélange tout le plat va pas être très joli et puis on va ajouterLes pâtes. Les pâtes comme ça, c'est différent des spaghettis. Hein? Oui. Ça, c'est la pâte, les pâtes du riz. C'est pareil, vous pouvez trouver également à l'épicerie asiatique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les Thaïs aiment bien manger du riz, même.Les pad thai, c'est à la base du riz également. Et voilà, et maintenant on mélange tout dans la poêle. Prenez votre temps, pareil. Ça, c'est la sauce de tamarin. Ça donne normalement les pad thai, il y a trois goûts acide,
sucré et salé. Avec la sauce de tamarin, ça donne le goût acide. Et ça, c'est le navet blanc. Dong, quand on l'a, il va changer de couleur. Dong, dans quoi? Nous avons acheté le moule, et tout à l'heure, je vois que vous venez acheter les crevettes aussi. Ça, c'est les crevettes séchées, les petites crevettes. Et du sucre. Mais pas beaucoup parce que avec la sauce, cette sauce que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure, c'est déjà sucré. Alors ce n'est pas la peine de mettre beaucoup de sucre. Après du sucre, c'est la sauce de poisson. La sauce de poisson, ça donne le goût salé. Et les cacahuètes, pareil, il faut les écraser d'abord. Alors, le goût. Si vous préférez le goût salé, vous pouvez ajouter également sauce de poisson. Et après, on va mettre les pousses de soja. Mais là, on ne trouve pas dans les grandes surfaces en France. Vous pouvez trouver soit au champ, soit à l'épicerie asiatique. Ça, c'est la ciboulette. Normalement, on va mettre les feuilles de l'ail, mais si vous ne les trouvez pas, on peut les remplacer par la ciboulette. Et il faut les couper en petits morceaux comme ça. Voilà, il y a plusieurs couleurs maintenant, blanc, vert, jaune. Ça a l'air très appétissant. Et on va goûter encore une fois si c'est bon ou pas. Ça manque quelque chose? Ah, du sucre. Mais si vous trouvez que ce goût-là, c'est bon pour vous, bah, alors le plat ça sera prêt. Et comme nous, les Thaïs, on aime bien le goût très très fort, hein. Très salé, épicé. Ok. Voilà. En fait, c'est très facile à faire ce plat. Mais je pense que pour la préparation, c'est assez long parce que d'abord, il faut écraser les cacahuètes et pour la sauce. Mais après tout, on met tout dans la poêle et c'est fini. Et on va mettre les crevettes au-dessus de les pâtes thaïs. Les crevettes qu'on a préparées tout à l'heure. Le chef d'Anna, non ?
Et si vous aimez le plat très très relevé, faut ajouter les piments à la fin, une fois que vous mettez dans son plat. Voilà, c'est très facile à faire en fait ce plat. Si vous, vous aimez faire la cuisine et si vous aimez la cuisine thaï, n'oubliez pas de nous rejoindre au cours de cuisine thaï. C'est avec notre plaisir de vous transmettre les secrets de nos plats. Oui. Oui. Et de notre culture en fait. Voilà, vous pouvez nous contacter par l'adresse mail et sur Facebook aussi. Vous pouvez nous ajouter si vous avez Facebook. Et dans le Facebook, il y a également les photos de chaque plat. Et vous pouvez, ce sera avec notre plaisir de savoir vos commentaires et de partager vos avis avec nous. Au revoir. Au revoir, bon appétit. À très bientôt. Au revoir. Sawadee kha. Nous retournons sur la place d'Arras avec un endroit qui est très symbolique pour les Arrajois. Je suis avec Christophe qui est le gérant de l'estaminet. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors l'estaminet c'est quoi? On vient pour manger, on vient pour faire la fête? On vient pour y manger, on vient pour y faire la fête. C'est ouvert 7 jours sur 7. On vient le midi pour manger principalement. Et on vient aussi le soir pour faire la fête. Le midi c'est des plats traditionnels, régionaux, comme de la carbonade flamande, du welsh, du poche welsh. Et le soir on y vient entre amis pour faire la fête, boire des petits verres et se retrouver. Alors vous avez repris l'établissement depuis combien de temps? Ça va faire 7 ans. 7 ans, que du bonheur? Que du bonheur avec une évolution de terrasse qui est de plus en plus sympathique, puisque la place a été refaite complètement à neuf il y a 2 ans, et qui nous permet de beaucoup mieux travailler tout l'été. Avec des aménagements intérieurs? Des aménagements intérieurs, oui, on a modernisé un petit peu la chose, où on est passé sur de la LED, on est passé sur de l'économie d'énergie, sur de nouvelles choses. La place est quand même très touristique, on a des Arrajois, des touristes? On a pas mal d'Arrajois et on a quelques touristes, on a un peu d'Anglais, de Belges, de Flamands qui viennent régulièrement. Alors c'est vrai que la place est magnifique et nous allons nous retrouver pas très loin d'ici, un endroit qui est un peu méconnu mais qui mérite d'être un peu plus visité, ce sont les carrières Wellington. Alors ici, on est à la carrière Wellington Mémorial de la bataille d'Arras. Donc on propose des visites d'une ancienne carrière d'extraction de craie. Qui date du 17-18e siècle, qui a été utilisée par les soldats britanniques juste avant la bataille d'Arras. Alors pourquoi carrière Wellington? Parce qu'en fait, c'était des carrières existantes qui ont été exploitées au 17e siècle, utilisées par les tunneliers de Nouvelle-Zélande, des mineurs professionnels qui faisaient partie de l'armée britannique et qui ont creusé des tunnels à la pioche pour relier ces anciennes carrières entre elles, créer une véritable ville sous la ville, capable d'accueillir des milliers de soldats. Donc l'idée, pour préparer la bataille d'Arras, c'est de cantonner 24 000 soldats britanniques sous terre, à 20 mètres sous terre, et créer un effet de surprise sur les Allemands le 9 avril 1917. Thank you.
Les tunneliers néo-zélandais ont travaillé pendant 6 mois dans ces carrières souterraines. Ils ont d'ailleurs créé une véritable carte souterraine de la Nouvelle-Zélande. Ils ont donné à ces carrières des noms de villes. Donc on suit la géographie de la Nouvelle-Zélande. Travail ici des tunneliers pendant 6 mois, puis un séjour de 8 jours par les soldats britanniques, puisque l'idée, c'est de démarrer du centre-ville, passer sous terre, arriver au pied des lignes allemandes et sortir par surprise pour repousser les Allemands en dehors de la ville. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces carrières ont été utilisées par les civils d'Arras. Ils descendaient dans ces carrières pour se protéger des bombardements. D'ailleurs, en bas, vous voyez également quelques traces, quelques inscriptions laissées par la population civile d'Arras. Nous allons nous retrouver dans un endroit un petit peu ancestral, très connu aussi par les Arrageois, à 2 pas de la place. Nous sommes au Viviani pour découvrir une recette que vous allez apprécier, j'en suis sûr. Bonsoir, bienvenue au restaurant le Viviani à Arras, situé rue de la Housse. Nous sommes un restaurant italien que servons des spécialités italiennes, style les pizzas, les pâtes, les risottos, la viande rouge et la viande blanche, avec une très belle carte des vins, une belle carte de dessert également. Nous vous accueillons du mardi au dimanche, midi et soir. Alors c'est un décor plus ou moins moderne, avec une seconde salle à l'étage, plus chaleureuse, plus typique. Mur en pierre, cheminée, allumé l'hiver. L'une de nos spécialités, le risotto marinaio, le chef Zanelli va nous montrer maintenant comment le préparer. Bonjour, donc nous allons vous présenter le risotto marinaio. Donc, une cuillère d'ayaché, petite. Un peu d'huile d'olive. Un peu de basilic haché. Hop, le tout sur le feu. À ceci, on ajoute une gambasse. Et on fait revenir le tout pour l'instant. Pendant ce temps-là, sortez vos fruits de mer. Donc une poignée de fruits de mer, amplement suffisant. Séparez les coques, hop là, pour les couper et les adjoindre ensuite. Voici. Voilà, comme ceci, coupé en deux. Vous ajoutez vos fruits de mer directement dans la poêle et vous faites revenir le tout pendant quelques minutes. Le temps que la gambasse se colore, une fois que la gambasse est colorée d'un côté, vous la retournez. Avant de l'oublier, une pincée de salé de poivre. Voilà, là vous pouvez la retourner. On prend un gaz un tout petit peu plus fort. Voilà. Ensuite, vous prenez votre vin blanc.
déglacer légèrement au vin blanc, comme ceci. Voilà. Laissez évaporer quelques secondes le vin blanc. Ensuite, nous ajoutons une louche, une bonne louche de tomates, une louche et demie, que l'on remet sur le feu et qu'on laisse réduire. Pour éviter que la gambasse soit trop cuite et qu'elle se démonte, retirez-la et vous mettez sur le côté pour l'instant. Une fois que la tomate a suffisamment réduit, une demi-louche de crème, voilà, et remettez sur le feu également. Voilà, préparez votre riz. Bien incorporer le riz dans la sauce surtout, pour bien qu'il s'imprègne du goût de la sauce. Rectifier l'assaisonnement pour être sûr. Voilà. Hop. Voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Entre deux, on remet la gambasse ainsi que les crevettes. Quelques citrons pour la décoration. Quelques tomates cerises. Notre émission Vivre Art Weekend se termine, il se fait tard, Arras by Night, nous avons demain une autre journée, un autre week-end qui vous attend la semaine prochaine. En attendant, nous vous laissons avec les programmes d'Agora Web TV pour la semaine.